Ma cousine préférée. C'est comment un homme bimoulet. Ah là là. Mais c'est vraiment de famille, hein. Ta cousine, quand elle est arrivée, si elle a commencé pareil, elle est venue, elle s'est placée dehors. Choc, 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 choc. J'ai demandé que c'est quoi. Elle a dit qu'elle est pour un mon bailleur. Toi aussi, tu as les pour un mon bailleur. Pourquoi vous n'aimez pas la douche? C'est quoi que c'est la douche interne? Mais quand tu ne parles pas, hein? Mais comme tu es ma cousine préférée qui dort au sol, je veux quand même te soutenir, tu comprends? Attends un peu, un bimoulet, je viens. Le soutien, c'est important. Quand on se bosse à deux comme ça là, quand le bailleur va venir, il va dire non, là je suis en train d'aider quelqu'un. Le sol était comment? Takam, donc tu me fais dormir au sol? Non, c'est pas que je t'ai fait dormir au sol, c'est juste que tu réponds au profil des filles qui dorment au sol. Takam, regarde-moi, regarde-moi bien. Non, tu m'as pas bien regardé, Faribon, jusqu'au niveau de mes pieds. Regarde-moi. Tout ce qu'elle voit, ce sont les pieds, ma bongo. La seule personne qui a les pieds, ma bongo, dans la famille, c'est Joyce. Donc, méfie-toi. Takam, il est inadmissible que moi, premier membre de la famille de Joyce que tu rencontres, tu me fais dormir au sol. Tu penses que c'est comme ça qu'on va t'accepter dans notre famille? Qui t'a dit qu'elle voulait qu'on m'accepte dans votre famille? Joyce fait quoi chez toi? Joyce est chez moi, justement. Elle est venue dans ma famille. Elle n'est pas, elle ne peut pas venir dans votre famille. Ok. D'ailleurs, en parlant même, ma femme est où? Ah, ta femme? Qui a mangé, qui a bu? Quand une fille dort chez toi et qu'elle porte ses habits devant toi et que c'est pas ta petite soeur, c'est qui? C'est ta colocataire. Non, c'est comme ça qu'elle a commencé, mais elle a évolué en grade. Ouais, elle est où? Elle est allée chercher sa mère. Quoi? Quata. Qui? Kinana. Elle est allée chercher sa mère. Où? En route. Quelle mère? Mais sa mère qui l'a accouché, non? Où? En route, non? Elles sont en train d'arriver. Okay. Pourquoi? Takam, tu me fais dormir au sol. Et tu penses qu'il va te laisser? Ce matin, il a appelé. Moi, je ne peux pas dormir au sol. Je ne suis pas le genre qui dort au sol. Attends, c'est quoi, non? C'est quoi? Attends, tout le monde a un problème. Bon mal, tu fais quoi? Tu m'as fait dormir au sol. Elle vient maintenant. Ah, parle pas dans mes oreilles. Elle vient maintenant chez qui? Avec quoi? Avec ses pieds, non? C'est quoi? Est-ce qu'on fait ça? C'est pour moi. Tu n'as encore rien vu. Sa cousine vient, elle ne me dit pas. Sa mère vient, elle ne me dit pas. Si on s'amuse, même ses cheveux vont venir, elle ne va pas me dire. Je me dis quoi? Bonjour la mère. Non, on ne tend pas la main au supérieur. Ouais. Elles ont fait ça. Takam, tu fais comment pour avoir l'oreiller comme ça? Donc tu crois vraiment que c'est le moment? Donc pour toi là, ça c'est le moment pour parler de ça. Parce que depuis je suis dépassée, Jean, tu as fait comment pour arriver à ce stade? Ça te dépasse, achète l'autre, tu déposes là. Est-ce que je suis venue acheter les choses ici? Vous ne pouvez pas coudre ça. Je vais te percer l'œil. Je te jure que si tu continues comme ça, c'est la troisième fois qu'il te dit ça, il va te percer l'œil. Un peu. Tu veux quoi? Mais je vais faire mon omelette pour manger, non? Ah, donc j'ai passé toute la journée ici, là, tout nettoyer, tout ranger, tout est propre. C'est au moment où ma belle-mère doit arriver que tu salis pour qu'elle ait l'impression que je suis sale. On ne salit rien. Attends un peu. Donc pour une fois où tu as fait un peu le ménage, on ne doit plus manger dans cette maison. Ma belle-mère, juste qu'il a mis la veste sur ça. Oui, j'ai mis la veste. C'est pour qu'elle ait l'impression que j'ai le travail. Ah, parce que je crois que ce que tu fais là, c'est le travail. Oui, c'est le travail. C'est le travail. Et je pense même que mon travail dépasse tout ton show là. Takam, c'est impossible. Parce que lui, non, il a un vrai travail. C'est-à-dire le genre de travail où à la fin du mois, tu as un salaire. Okay. Un salaire qui te permet de vivre décemment. Décemment, tu connais ce mot, décemment. Quand tu vas arriver chez lui, c'est là-bas que tu vas faire les yeux. Parce qu'on vit là-bas décemment. Décemment, tu connais. Takam, laisse ma poêle. Je veux faire mon omelette. Tu fais des omelettes, ça me concerne en quoi? Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Quand elles vont arriver, on va manger en famille. Toi, tu as dit qu'elles étaient en route, non? Depuis le matin. Elles sont en route. Elles sont en train d'arriver.
Tu fais comme si tu ignorais les mères. Si arrivé là-bas, elle a improvisé ses courses, on va faire comment? Quand elles vont finir, elles vont arriver. Qui sait, peut-être qu'elles sont en train de faire les courses pour la nuit, elles vont dormir. Quoi, aussi. Attends, votre famille, où vous aimez dormir chez elle? Vous ne pouvez pas dormir chez vous? C'est... Attends, non, tu es sérieuse pour mes yeux là? Oh, t'as comme laisse-moi manger. Tu es pressé pourquoi? Il y a un adage chez nous qui dit que tant que minuit n'a pas sonné, ne dis pas que tu as dormi affamé. Je t'ai dit qu'elles arrivent, non? Tout à l'heure, là n'est pas encore arrivée. Tant que minuit n'a pas sonné, tu n'as pas dormi affamé. Ok, attendons minuit. Si à minuit là, à 23h50, on fait les œufs. Mais déposez d'abord. Comment j'ai faim? Je suis pas entré avec toi. Tu vas manger maintenant. Ouais. Oh, moi j'ai faim. Ne salis rien ici, c'est quoi, non? Mais si tu laves, c'est pourquoi on salisse, non? Moi j'ai faim. Mais... C'est quoi? Laisse mes œufs. Je veux manger. Bonsoir. Bonsoir, Joyce. Qu'est-ce qui se passe ici? Ta mère est où? Quelle mère? Celle qui t'a accouchée, non? Elle est là où elle est censée être, chez son mari. Vous deviez faire les courses, non? Vous n'êtes pas venus ensemble? Quelle course? Moi, je viens de l'école. Tu m'as dit qu'elle devait faire les courses, non? Moi, si, elle t'a dit quelque chose. Lidl, qu'est-ce que tu as raconté à mon gars? Je n'ai rien raconté. Et de quoi il parle? J'ai seulement dit une phrase, genre j'ai anticipé sur le futur. Tu veux anticiper quel futur? C'était un petit mensonge, Joyce, une petite phrase. Quel genre de gros petit mensonge? J'ai seulement dit que tu étais en train d'arriver avec maman. Et c'était quoi ton projet? Mais j'anticipais, non, n'est-ce pas? Un jour, elle va tout venir ici. Ah, donc tu m'as menti! C'est moi que tu as menti! Tu me mens, moi! Toute journée de mensonges, je vais dire tout lequel. Regarde, j'ai sali mes habits! Regarde, tu as vu tout ce que j'ai fait? J'ai lavé les assiettes, lavé les mamies, je fais souvent ça. J'ai dit, oh, regarde dans les yeux, on me ment, hein, dans les yeux comme ça là, on me ment. On me ment toute la journée chez moi, un mensonge qui a duré toute la journée. Est-ce que quelqu'un peut mentir toute une journée? Est-ce qu'il t'a menti toute une journée? Il t'a menti le matin, c'est toi qui as cru toute la journée. C'est moi qui ai cru toute la journée. Oui, c'est toi. Je vais te tuer toute la nuit. La nuit. Tu comprends ce que je dis? T'as quand même les soucis, non? C'était juste un petit mensonge. Oh, un petit mensonge. Ce sera une petite mort. J'avais 2 heures. Tu comprends? Dis-toi, comment toi aussi tu peux faire les trucs comme ça? Tu sais bien que quand il entend parler de maman, c'est sa phobie. Et puis quoi? Tu étais là le matin quand il se moquait de moi. Il s'est moqué de toi en quoi fait ça? Genre, oh, il m'a fait dormir au sol, c'est monté, c'est descendu. Car moi aussi, il fallait que j'égalise. Maintenant, de toi à moi, est-ce que c'est moqué ça? On sait que c'est faux. Peu importe. Comment tu réussis à prendre ça aussi? Qui se moque de moi? Tu étais là quand il se moquait de moi là-bas dehors le matin. Regarde maintenant dans quel état il est. Et puis quoi? Moi quoi dedans? Ah, Lidl, arrête de staccatiser avec moi. Ok, est-ce que moi je staccatise avec toi? C'est toi qui staccatise avec moi. Et qu'est-ce que tu en refais là? C'est toi, rien du tout, c'est toi qui staccatise. C'est toi qui est en train de staccatiser. Non, c'est toi qui staccatise avec moi, je ne staccatise pas avec toi. C'est toi, tu es en train de staccatiser avec non, moi. Non, tu je staccatise pas. De le faire. Je réponds, maintenant c'est toi qui staccatise. Non, c'est toi qui est en train de staccatiser avec moi. Non, c'est toi qui staccatise avec moi parce que quand on a toi, on ne staccatise pas. C'est toi qui staccatise, je parle, tu réponds, c'est toi qui staccatise. Quand vous allez finir de staccatiser, où vous staccatisez qui, comment, pourquoi, je ne sais pas. Mais quand vous allez finir de staccatiser, vous allez me dire, pourquoi vous m'avez menti toute la journée? Toi là, oui, toi Bob Marley, tu n'es pas fair play. Tu ne peux pas venir chez les gens et inventer les mensonges pareils. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'un enfant qui raisonne bien, tu es sûr que tu as tous tes sens? Toujours parce que je t'ai fait dormir au sol. Depuis quand dormir au sol, c'est un problème. Tu es allé à l'hôpital un jour, on a dit cause du décès, le sol. On te fait dormir un peu au sol comme ça, là, ça devient les problèmes. Pourquoi tu as le noir à cœur? Pourquoi tu ne veux pas évoluer dans ta vie? Tu laisses la maison de ton chiot où on vit décemment pour venir vivre dans les maisons où les gens vivent indécemment. Mais pour une petite... Pour te punir, je te le dis, pour te punir, tu vas encore dormir au sol aujourd'hui. Tu punis qui? Suis ton enfant. Tu dormiras au sol pour les siècles des siècles, je te le dis. Tu as
dormi où? Tu as dormi au sol, non? Qui a dormi au sol? C'est là-bas que tu vas dormir aujourd'hui. Qui a dormi au sol? Tu as dormi où? Attends un peu, tu crois que j'ai dormi au sol? Moi, si je peux dormir au sol. Tu as dormi où? J'ai dormi sur le lit, monsieur. Comment? Commandant, j'ai dormi sur le lit. Joyce. On a dormi à toi. Tu veux qu'il te prouve? Non, non, non. Hey, qui... non, ouais, non, il faut Joyce, pas exagérer. Vraiment. Non, il y a les trucs. Ouais, Joyce, laisse-moi d'abord. Oh, Joyce. Oh, ouais, 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 oh. Joyce, oh. C'est qui comme ça? D'accord. C'est comme si c'est moi, hein? Tu sais, hier, quand elle est arrivée, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et j'ai voulu t'expliquer parce que tu n'as pas compris. Je fais quoi au sol? Il fallait bien qu'on se parle un peu et quand j'essayais de t'expliquer, tu ne comprenais pas quoi. Joyce, attends, pourquoi quand vous m'avez porté, je n'ai pas compris? En fait, je veux bien te dire quelque chose, mais je veux pas que tu le prennes mal, s'il te plaît. Joyce, vous m'avez porté comment vous m'avez mettre au sol? Je n'ai rien senti. Bon, on a utilisé, on avait quelques petits somnifères. Et c'est pour ça que tu te retrouves dans ça. Et c'est moi qui ai apporté les somnifères. Et vous avez fait les photos. J'aurais pu me retrouver sur Facebook comme ça, là, comme la blague. T'as quand même, s'il te plaît, donne-moi le téléphone. Ne me touche pas! Non, non, je vais juste récupérer le téléphone. Oh! On va effacer ces photos, on va effacer. Je les efface tout de suite. Madame, je suis obligée de faire mon compte. Je suis une jeune âme. Regardez qui a dormi au sol. La femme quittera son père et sa mère, invitera sa cousine et les deux mèneront la vie dure à son gars. Il y a dormi au sol. Je ne vais pas taper, je ne vais pas tuer. Je vais cacher le corps directement.